Bonjour mes petits éveillés préférés, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voudrais parler d'un sujet dont on m'a demandé de parler dans mon autre chaîne qui s'appelle French Accent ASMR and Relaxation. C'est l'éveil spirituel. Et je voulais vous raconter brièvement, enfin j'essaierai, comment j'ai fait pour m'éveiller ou me réveiller spirituellement, les choses qui ont précédé l'éveil et comment ça marche exactement. Et donc je voulais vous dire qu'il n'y a pas une recette pour tout le monde. Ça peut ne pas arriver et moi j'ai de la chance que ça me soit arrivé. Et je peux vous dire aussi que c'est pas quelque chose qui arrive comme cela au hasard. Ça peut n'arriver, ça peut ne pas arriver. Oui, c'est le cas, mais en même temps, vous pouvez le provoquer parce que moi, personnellement, j'avais un désir tellement énorme de me réveiller parce que j'avais un ras-le-bol général de tout que j'ai travaillé à mon éveil spirituel. Donc, c'est tout à fait possible de s'éveiller ou de se réveiller parce que vous le décidez. Alors, vous pouvez commencer par le décider et ensuite vous réveiller. Maintenant, certaines personnes s'éveillent après un choc émotionnel ou bien un accident, mais il n'y a pas que les chocs qui en fait amènent à l'éveil spirituel. Donc, j'espère que ça rassure certains d'entre vous qui se disent ah, mais j'espère que moi aussi je pourrai me réveiller. Alors, les moments qui ont précédé l'éveil spirituel, j'étais vraiment dans une dépression très très profonde. Et je savais même pas si j'allais me réveiller de cela. J'avais constaté que ma vie était à copier-coller de l'année d'avant ou d'une même période. Sauf que les gens, c'était le même genre de gens, mais c'était pas les mêmes gens, bien entendu. Le même genre de travail, mais pas les mêmes, même pas le même travail. Le même genre de comment dirais-je, de sentiments, de relations avec l'autre ou les situations, mais pas les mêmes situations et les mêmes gens. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, je tourne en rond. C'est la même chose, sauf qu'à chaque fois, c'est pire. C'est-à-dire, comment dirais-je, je me rappelle, j'avais rencontré un petit ami à ce moment-là qui était tout ce que je détestais à ce moment-là sur cette planète, au niveau des gens, des hommes. Il était violent, il était imbu de lui-même, il me rabaissait. Moi qui suis plutôt une fille forte, j'étais vraiment rabaissée comme si j'étais rien du tout. Enfin, je veux dire, il avait un pouvoir sur moi parce qu'en fait, il prenait toute mon énergie, etc. Donc, j'ai attiré ce genre de personnes. Et c'est là que, bon, on a envie de se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai attiré ça? C'est pas possible. Est-ce que je mérite ce genre de choses? Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt ce que l'on, comment dirais-je, projette dans le monde qui fait qu'on attire les choses que l'on ne veut pas. Et c'est exactement ce que je faisais. Donc, je voulais vraiment me réveiller. J'ai eu de la chance d'avoir un super coach, une personne qui est devenue un peu une amie après ça, qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du jour au lendemain, avec son coaching, j'ai eu la force de me dire, non, ce n'est pas possible, je dois me réveiller, il y a autre chose, je le sais, je sens que la vie, c'est pas ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et bien entendu, comme je n'étais pas éveillée à ma dimension supérieure, je sentais qu'il y avait quelque chose sans vraiment le voir, quoi. Donc j'étais vraiment persuadée qu'il fallait que je me réveille et je me suis réveillée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien donc, j'ai été coachée pour, comment dirais-je, le fait d'être coachée par des bons coachs, ça permet de relever d'augmenter ses vibrations positives. Parce que je ne pouvais pas continuer à m'effondrer comme c'était. J'aurais attiré encore plus de malheur sur moi, donc c'était vraiment urgent. Et elle m'a remonté, remonté, remonté comme ça. J'avais plus rien. Pas de travail, plus de petite amie, plus de rien du tout. Mais j'avais une force incroyable, quoi. Une force mentale incroyable.
Et donc, je me suis mise à étudier tout ce qui est spiritualité. Je me suis mise à me renseigner, à écouter comment dirais-je, des guides spirituels en tout genre pour avoir des visions différentes, des avis différents, de voir tout ce qu'ils disent. Et j'ai trouvé des choses similaires dans toutes ces personnes. Je me suis dit, mais il y a une clé, il y a quelque chose que je dois comprendre, etc. Et j'ai eu un déclic parce que je commençais à me dire, oui, la vie c'est autre chose, il faut sortir de ça, de ton côté physique, parce que la réponse elle n'est pas au niveau du côté physique, il faut arrêter de se prendre la tête du fait si je me trouve vraiment trop grosse ou pas assez jolie ou pas assez si, pas assez bien ou pas, etc. Et de me dire, mais il y a d'autres choses dans la vie, ça sert à rien quoi. Et donc, j'ai écouté un certain nombre de guides spirituels. Je suis allée en voir un en live. Ça m'a apporté d'autres informations. J'ai étudié ces informations et ce jour-là, j'étais au travail. J'avais le droit d'écouter de la musique ou des conférences, etc. Parce que ce que je faisais, je n'avais pas besoin de me concentrer à ce point-là, quoi. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose physiquement. Une chaleur énorme montée et j'étais très excitée, mais vous savez quand c'est des fois c'est trop parce que votre cœur il est vraiment serré parce que c'est tellement intense, c'était comme ça. Et tout d'un coup j'ai compris que j'avais envie de regarder dans le ciel, la nature, j'étais plus intéressée tout d'un coup à ce qui se passait autour de moi. Et donc j'ai eu ce phénomène physique de montée, des vibrations en fait qui ont remonté. C'était vraiment très chaud, c'était très agréable. Et en même temps mon cœur qui se serrait, ça pouvait être un peu stressant, mais comme j'étais tellement excitée, j'étais pleine de bonheur et de tout ça que je m'en faisais pas. Je me suis pas dit que je pouvais faire une crise cardiaque peut-être. Mais je ne suis pas en train de dire que ça peut vous arriver à vous parce que... Des personnes qui s'éveillent ont comment dirais-je, des réactions différentes et il y en a beaucoup qui n'ont pas de réaction du tout en fait, la plupart du temps. Mais bon, donc mes vibrations ont augmenté énormément parce que j'étais déjà en travail sur mes énergies avec ce coach. J'avais passé un niveau 1 de Reiki, donc j'avais déjà cette énergie que j'apprenais à contrôler, etc. Donc j'avais juste à ouvrir les yeux quoi. Donc chose que j'ai fait, chose que j'ai faite, et voilà, donc je me suis éveillée spirituellement et ma vie a changé. Ensuite, petit à petit, après l'éveil, ce qui se passe, c'est que sans qu'on s'en rende compte, on a des envies, il y a des choses dont on n'a plus envie, il y a des gens avec qui on se sent plus d'avoir une relation même amicale parce que on ne se sent plus sur la même longueur d'onde, donc on va se débarrasser de nos vieilles choses, de nos vieilles relations, enfin celles qui ne nous servent plus, quoi. Tout d'un coup, j'ai eu envie d'être vraiment très saine, de manger des choses saines. Tout est venu naturellement, quoi. C'est incroyable. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'éveil spirituel, mais je veux dire, c'est un phénomène très positif, ça n'a rien de bizarre, c'est pas un truc de magie ou rien du tout. C'est quelque chose de normal quand tout d'un coup, on intègre dans son esprit que on est plus que juste notre corps, on a d'autres dimensions. Ça nous permet d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos œillères comme ceci, et de voir les gens, d'avoir de la compassion. De se dire, mais la vie, en fait, elle n'est pas compliquée. Pourquoi est-ce que je me borne à faire les mêmes choses répétitives qui ne me rendent pas heureuse alors que je peux tout simplement arrêter de faire ceci pour pouvoir être heureuse? C'est de prendre son temps au jour le jour, de faire des choses sans qu'il y ait de but ou de signification parce que la vie n'a pas de but vraiment. Au niveau de l'être humain, on n'a pas vraiment de but à part de vivre, d'être présent et d'avoir des expériences qui nous permettent de grandir. La procréation, c'est pas vraiment un but en lui-même. Enfin, je veux dire,
les animaux, ils sont là pour se reproduire. Bien sûr, on doit se reproduire, mais on est beaucoup trop sur Terre, donc la reproduction, c'est pas vraiment, c'est un peu couvert maintenant, les choses de base sont couvertes. Il y a des choses beaucoup plus importantes et l'élévation de la conscience, c'est le début d'une nouvelle civilisation. C'est pour ça qu'il y a plus en plus de gens qui s'éveillent ou qui veulent s'éveiller. Si vous avez cette envie de vous éveiller, vous faites partie d'un nombre impressionnant de gens qui de plus en plus veulent s'éveiller. Donc bienvenue au club et si vous voulez vous éveiller, j'espère que je peux vous aider à cela. Et posez-moi vos questions, je continuerai à faire mes vidéos et à partager avec vous mon expérience. Donc je vous dis à bientôt, gros bisous, bye!